Je m'appelle Abdoul Aziz Lee, je suis le chef du service régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis. Donc, je profite de l'occasion, après ce qu'a dit mon collègue Ousmane Nian de la direction de la protection et de la surveillance des pêches, de marquer un peu l'étape de Saint-Louis par rapport à la brèche, par rapport à l'embouchure. Parce que le cas de Saint-Louis, la spécificité de Saint-Louis, c'est précisément l'embouchure. Donc, c'est une situation qui est très complexe, qui est très difficile. Les autorités sont en train de tout faire pour trouver une solution durable à cette question. Mais en attendant et pour réduire les cas d'accidents et de pertes en vie humaine, c'est vrai que la volonté divine, elle est là, on n'y peut rien. Mais tout ce qui relève quand même des manquements humains, là, on voudrait rappeler aux pêcheurs, rappeler aux acteurs toutes les dispositions qu'il faut prendre afin de limiter ces cas de pertes en vie humaine. Et notamment la traversée. La traversée, c'est un passage étroit. Tout le monde ne peut pas passer en même temps. On voudrait profiter de cette occasion-là pour demander aux pêcheurs de faire preuve d'organisation et de discipline pour que les gens organisent la traversée au niveau de l'embouchure. La plupart des accidents se déroulent là. 80% des accidents se déroulent au niveau de l'embouchure. Et surtout de respecter la circulation. Et surtout de respecter la circulation. Que les gens s'organisent, que les gens se donnent le temps de laisser les autres passer et que de façon organisée, chacun peut passer à son tour sans trop d'accidents. Donc, et la nuit aussi, ça c'est déjà un arrêté. On rappelle aux gens que la traversée de la brèche de la nuit, elle est interdite. Elle est interdite, elle est formellement interdite. Voilà. Concernant maintenant le choix de Gandiol pour demain jeudi 14, on a programmé de clôturer cette campagne de sensibilisation à Gandiol. C'est un choix pertinent, c'est un choix opportun parce que le site de Gandiol fait face à l'embouchure, fait face à la brèche. Et généralement, les acteurs de Gandiol, d'ailleurs, sont les premiers à intervenir en termes de secours au niveau de l'embouchure. Donc, c'est un choix opportun. Et on voudrait vraiment inviter tout le monde à venir participer à cette journée-là, d'autant plus que c'est la région de Saint-Louis qui est à l'honneur. Alors, c'est le ministre lui-même qui avait prévu de venir présider cette journée, mais certainement, avec les changements institutionnels qui se sont déroulés, peut-être il ne pourra pas être là. Mais en tout cas, les autorités prendront toutes leurs dispositions avec le gouverneur pour une bonne réussite de cette journée-là. En tout cas, tout le monde y est invité et on vous remercie. Nous avons mbekté tay di accueillir suñu collègues yi ci cadre campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité de la pêche artisanale. Waxna pratiquement lepp, mais dama insister ci deux aspects. Benn bi moy ndar buñu wax affaire sécurité ndar à cause de l'embouchure. Parce que pratiquement accident yu bari 80% des accidents mi ngi am ci embouchure bi. Ñepp xam nañ ni embouchure bi traverse ko dafa jafé. Alors, lolu nak daf ñuy permettre ci occasion bi ñu fatali parce que fatali la parce que sensibilisation bi elle est permanente, c'est tous les jours du bis du wer, chaque jour ñi ngi ci ko am, mais tay dañuy fatali mo suñu mbokk moli usager de la mer que dañu am cas particulier à Saint-Louis mu traverser embouchure. Donc ñu leen di fatali, leen di ñaaxat ci occasion bi pour amna yo xamné ndogolu yalla la, amna yo xamné comportement humain la. Ndogolu yalla ñun mënuñu ci dara, dañuy ñaan, mais comportement humain bi yoyu lañ bëgg sensibiliser nit ñi pour buñuy jéggi buñuy traverser embouchure bi ñu and ak yar baña yakamti and ak discipline. Alors ku jitu comme yone bi dafa xat, ku jitu sa morom may la, bo demé ba traverser ak jam ak salam ñi ci dess and ci continuer. Mais ñaari gal collision yi ngeen di wax day fekk ay gal bëgg jallando yone bu xaté, alors da ngeen di organiser traverser bi. Su ko défé rek inshallah accident yi dina wañi bu baaxa baaxa baax. Lolu aussi sensibilisation dañ ci profito pour fateliko mbokk moli ay professionnel meun nañ gëj. Mais des fois xam nga rek doom adam ak ay manquement ak yakamti moy indi souvent yenn toxidone jall goudi ci embouchure bi dafa dangereux ba nga xamne dañu xalatone ñu def ben arrêté ñu ne goudi bu kenn jaar ci embouchure bi mol yu bari nak ñing koy respecter. Mais xam nga doom adam dafa doy war fo xamne beccëk sax bo fa jaaré mëna am jafé jafé, donc goudi taxul ñuy wax té nga jaar fa beccëk ak say morom nga am jafé jafé am ñu la jappalé mo gën goudi nga jaar fa yow rek gisoo kenn, même bo amé jafé jafé do gis kenn kula jappalé. Donc ñi ngi fatali mol yi vraiment ñu respecté di bañ di jaar ci bambouchure bi goudi, c'est plein de risques. Gandiol suba gandiol dafa jakarlo ak embouchure bi, donc ministère xalat ne bo indé activité clôture bi yof lañ ko ubé won le 10 nim ko waxé ñu ko wara tek suba ak gandiol. Ministre de la pêche ci bopam mom mo naron ñew, mais xam ngeen changement institutionnel yi am ay ngant la du mën ñew, su sañon nak mom mo koy téwé suba, mais ñi nga ñaan ñep ñu ñew téwé ko gouverneur dina ko présider inshallah. Alors nit ñi jakarlo brèche bi gis embouchure bi xam li ñi wax moy lan, su ko défé défé na né message bi dina gëna mëna jall ñu tejé ko fofu. Alors té nak baña fokk ni fi la yam chaque jour
En tout cas, nous, les services techniques, chaque jour, ça, nous avons une sensibilisation. Parce qu'en matière de sécurité, l'objectif est intermédiaire. C'est zéro accident et zéro perte en vie humaine. C'est ce que nous voulons faire. Acteurs sont venus. Alors, nous avons une petite journée. Parce que honneur aussi pour la région de Saint-Louis. Nous commençons à Dakar et à Kondar. Donc, vraiment, nous avons une petite santé.